jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elles nous épilent tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Papa d'un petit châle. J'ai décidé de ne pas en faire trop souvent, mais une fois par mois pour les débutantes. Alors après, pour les intermédiaires ou pour les expertes, je pense que vous trouverez largement votre bonheur sur Internet. Je préfère m'adresser aux débutantes pour qu'elles s'entraînent un petit peu. On va faire un châle tout simple, un petit peu de granit, un petit peu de bride prise par l'avant, et ça donne le résultat que vous pouvez voir, quelque chose d'assez sympathique. Donc pour ça, on va utiliser de la coton king sultan, donc de chez Obi. Ce sont des pelotes vraiment pas chères, à moins de 8 €. Nous avons là 200 grammes 800 mètres au Ecotex. Vraiment très très bien. Je vais crocheter ça avec du 3,5. Donc normalement vous avez dû avoir une première de cette série là, les 4 étant pour donc jusqu'en septembre. Donc si je dis pas de bêtises, non, je dois dire les bêtises. On a eu celle de mars, donc ça c'est celle d'avril. Voilà. Avril, mai, juin, juillet, août. Oui, il y en a deux autres qui arrivent. Donc ça, vous le verrez ultérieurement. On va prendre celle-ci, donc pour celle d'avril, normalement. J'espère que je ne dirai pas de bêtises. Bon, si vous ne c'est pas en avril, vous l'aurez à un moment X ou Y. D'accord? Allez, je garde le diagramme pour moi parce que, franchement, il est moche. Voilà, vous allez voir, vous allez réussir à suivre. C'est juste 4 rangs de répétition, donc c'est pas bien compliqué. Donc, je vous ai dit, crochet 3,5, on est parti. Alors, c'est vraiment du granit de base et juste le quatrième rang. Le quatrième rang deviendra le rang numéro 1, en fait. Hein. Notez bien ça. Quand on sera au quatrième rang, c'est qu'on sera au numéro 1 des rangs de répétition. Vous ferez 4, 5, 6 et 7. Et vous reprendrez. Le 8, ça sera donc égal au 4. Donc 4, 5, 6 et 7. 4, 5, 6, 7. Indéfiniment, jusqu'à ce que vous ayez fini votre pelote. Tout simplement. Allez, c'est parti. Bien évidemment, je vous mets le lien vers ce très très joli fil dans la barre d'infos. À ce prix-là, il ne faut pas s'en priver. On le sait, hein, on connaît Obi, on sait que c'est la bonne qualité. Allez, on est parti sur on part pas sur un cercle magique, hein, on part directement avec 4. Donc 1, 2, 3. 4 mailles en l'air, on en fait donc une cinquième et on va venir dans la première ici faire 2 brides, donc une et deux, suivi de 2 mailles en l'air. Toujours dans la première ici, on refait 2 brides, donc une et deux. Oups. Alors ça c'est un petit peu le souci quand il y a plusieurs fils, mais enfin c'est pas, on arrive à rattraper hein, généralement. Donc 2 brides, on termine par une maille en l'air et une bride, toujours dans la première. Voilà. On a donc terminé notre début de châle. C'est tout petit, on voit pas grand chose. Donc on va progresser, ça sera plus simple. On repart à présent sur le rang numéro 2 avec 4 mailles en l'air.
les trois premières comptant comme une bride, donc 3, et la quatrième comme maille de séparation. On tourne, on vient dans le premier espace que nous avons créé ici, et nous allons faire 3 brides. Donc, une, deux, et 3. On poursuit par une maille en l'air. Maintenant, on va dans le centre, ici, et nous allons faire ce que nous allons faire chaque fois dans le centre, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est parti, 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc 1 et 2. Voilà. Donc le centre, ce sera toujours et de façon immuable 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Allez, on poursuit par une maille en l'air. On vient dans l'espace que nous avons créé ici. Après, donc, juste ici. Et nous faisons 3 brides. Donc, une, deux, trois. Et toujours pareil, de façon immuable, on terminera par une maille en l'air et une bride dans le même espace. Voilà que nous avons terminé le rang numéro 2. Voilà, vous le voyez, on est vraiment sur un granit, sauf que le granit, généralement, on a 3 brides en haut, ici, et là, on n'en a que 2. Donc, autrement, on est vraiment sur la base. Donc, rang numéro 3, on repart avec nos 4 mailles en l'air, les 3 comptant pour une bride, donc 1, 2, 3, la quatrième maille de séparation, on tourne. Dans l'espace ici, nous allons venir faire 3 brides. Donc, 1, 2, et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, ici, on fait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Nous faisons une maille en l'air et là nous allons dans le centre et de façon immuable de bride, de maille en l'air, de bride. D'accord? C'est parti. Donc une bride, une seconde bride, 2 mailles en l'air et on repart de façon symétrique à faire nos 2 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace, on fait nos 3 brides. Donc, une, deux, trois. Une maille en l'air. Et dans l'espace ici, que nous avions créé, on va venir faire nos 3 brides. Donc, une, deux et 3. Et on se souvient que de façon immuable, en fin de rang, on fait une maille en l'air et une bride pour terminer. Voilà. Très bien, ben voilà, ben ça progresse, hein, doucement, doucement. On va commencer maintenant, puisque c'est le quatrième rang, et notez-le bien, ce rang-là, c'est égal au rang numéro 1. D'accord? Vous ferez toujours 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ok. Ce rang, c'est le rang où on va faire que de la bride. Donc, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air comptant pour une bride supplémentaire. On tourne le travail. Dans la première, dans le premier espace, on fait nos 3 brides. Donc, 1. Ça, c'est obligatoire, c'est pour créer l'augmentation. Okay? Donc, 1, 2 et 3. Voilà.
On est d'accord. Hein, on se rappelle, ça, c'est le premier rang de répétition. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, sur chaque maille que vous allez rencontrer, vous allez faire une bride. Donc, ici, une bride. Sur la deuxième, une bride. Sur la troisième, une bride. Entre les brides, une bride dans l'espace que nous avions créé. Sur les trois brides, une bride sur chaque. Donc une, deux, trois. Entre les brides, eh bien une bride. Et sur les deux dernières, eh bien nous faisons deux brides. Une bride sur chaque. Donc une et deux. Bien évidemment, le fait que c'est échangé un petit peu, ça ne nous dispense pas de faire notre centre comme d'habitude, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Donc une, deux, deux mailles en l'air et deux brides. Une et deux. Et là, bien écoutez, on repart avec une bride sur chaque maille qu'on rencontre, une bride dans chaque espace qu'on rencontre. Donc là, entre, hop, une bride. Sur les trois brides qui arrivent, trois brides. Donc une, deux, dans l'espace une bride, sur les trois brides bien trois brides, une, deux, trois, et là on va faire nos trois brides à l'intérieur de l'espace, donc une, deux, et maille en l'air et la bride pour terminer. Voilà, ça c'est donc votre rang numéro 1 en vrai. Donc si vous voulez le marquer, n'hésitez pas, de façon à ce que vous sachiez que celui-là, celui des brides, c'est le rang numéro 1. Allez, on est reparti. Rang numéro 5 qui en fait sera votre rang numéro 2 de répétition. Là c'est pas compliqué, on va commencer comme chaque fois avec une, deux, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail, dans l'espace on fait nos 3 brides, donc 1, 2, 3, et là ce qui va se passer, c'est que toutes les brides que vous allez rencontrer, vous allez les prendre par l'avant. Donc le fil sur le crochet, on passe le crochet comme ceci et hop, on les prend par l'avant. Voilà, rien de bien sorcier. Cette façon de faire, on va le faire jusqu'à la dernière bride en haut. Voilà, comme ceci. Et je vous rejoins au sommet de notre châle. Il n'y a rien de bien intéressant dans le fait de faire des brides par l'avant. Allez, je rejoins tout en haut, à de suite. Et bien voilà, on est tout en haut, dans le sommet. Et bien, c'est pas parce qu'on a fait des brides par l'avant qu'on ne doit pas faire nos deux brides. Donc une, deux, suivi des deux mailles en l'air et des deux brides. Donc une et deux. Et toutes celles qu'on rencontre, eh bien écoutez, on fait pareil que de l'autre côté, on les prend par l'avant et ce jusqu'en bas. D'accord? Puis on se retrouve en bas en ayant bien pris toutes nos brides par l'avant sans en oublier aucune. Allez, à de suite. Hop. Voilà.
Allez, on a bien pris toutes nos brides par l'avant. Là, on va venir faire à l'intérieur de l'espace nos trois brides. Excusez-moi, une seconde. Deux, trois, une maille en l'air et notre bride pour terminer. Une petite seconde, je suis à vous. Qu'est-ce qui t'arrive, grosse patate? Qu'est-ce qui t'arrive, grosse patate? Pépère vieillit et il a de plus en plus besoin d'attention. Voilà. Il a de plus en plus son anniversaire aujourd'hui. Il devient vieux. Voilà. Il a de plus en plus besoin qu'on s'occupe de lui. Alors on en profite au maximum. Voilà. Tu laisses maman travailler, s'il te plaît. Merci mon cœur. Voilà, nous arrivons à présent à un moment un petit peu particulier puisque nous allons reprendre le grani. Donc nous sommes à notre troisième rang de répétition. On fait toujours pareil. Une, deux, trois, quatre. On tourne le travail. Dans le premier espace, on fait bien évidemment nos trois brides. Donc une, deux et trois. Donc nous allons refaire nos granits et pour ça, bien écoutez, il faut les reconstruire. Donc après nos trois brides ici, on fait notre maille en l'air. On saute une, deux, trois mailles. Dans la quatrième, ici, on fait trois brides. Donc une, deux et trois. Une maille en l'air. On saute trois mailles. Une, deux, trois. Dans la quatrième, ici, on fait trois brides. Donc une, deux et trois. Et on recommence. Une maille en l'air. On saute trois mailles. Une, deux, trois. Dans la quatrième, ici, nos trois brides, donc une, deux, trois, une maille en l'air, on saute trois mailles, une, deux, trois, dans la quatrième ici, non, ça c'était la troisième, la deuxième, la troisième, donc on ne se trompe pas, la quatrième, parce que tout le monde n'aura pas le compte juste, ici, donc une, deux, trois, on fait notre maille en l'air, on compte trois mailles, une, deux, trois, dans la quatrième ici. Alors là ça va être un petit peu particulier parce que nous allons donc venir faire une seule et unique bride et pas trois brides, d'accord? Notez-le bien. Si vous voulez, vous mettez un marqueur pour pas vous tromper, mais c'est très très important de pas se tromper. On en fait une seule, une maille en l'air, et néanmoins, dans l'espace, on refait deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Donc deux brides, deux mailles en l'air, et deux brides. Une maille en l'air et là vous repartez exactement tout ce que vous avez fait de ce côté, vous le faites de l'autre. C'est-à-dire que dans la première ici, vous allez faire votre bride. Une maille en l'air, vous sautez trois mailles, une, deux, trois. Dans la quatrième, trois brides. Une, deux, trois, une maille en l'air, on passe trois mailles, dans la quatrième, trois brides, une, deux, trois, une maille en l'air, dans la quatrième, trois brides, donc une, deux, une maille en l'air, une, deux, trois, dans la quatrième, trois brides,
une, deux, trois, une maille en l'air, on passe trois mailles et vous voyez, un, deux, trois, et dans la quatrième, là dans l'espace, on vient faire nos trois brides immuables, donc une, deux et trois. Et comme d'habitude, maille en l'air et une bride pour terminer. Voilà. Allez. On poursuit. On poursuit, on poursuit. Là, on va être sur le rang, encore une fois, un rang de résille, de granit. Donc, une, deux, trois et quatre. On tourne le travail. Dans le premier espace, trois brides. Donc, une, deux, trois, maille en l'air. On passe donc le petit paquet de trois brides. Dans celui d'après, trois brides. Une, deux, trois, maille en l'air. On passe le petit paquet de trois brides. Et on fait ça jusqu'au sommet de notre châle. Je vous rejoins au sommet de notre châle avec cette magnifique couleur de framboise écrasée. À de suite. Alors, on va passer à un petit... vous vous souvenez, on n'en a fait qu'une ici. C'est pas grave. On fait la maille en l'air et on vient dans l'espace, on refait nos trois. Donc, une. Notez-le bien pour les rangs d'après, hein, pour les rangs de répétition d'après. D'accord, 3, une maille en l'air, et là dans l'espace, deux brides, donc une, deux, deux mailles en l'air, et on repart de façon symétrique à faire exactement tout ce qu'on a fait de l'autre côté. Voilà. Maille en l'air. Les trois brides dans l'espace ici, donc une, deux, trois, maille en l'air, après la bride toute seule, on en refait trois et on repart avec maille en l'air, trois brides, maille en l'air, trois brides, jusqu'en bas. D'accord, on se rejoint en bas de suite. Deux et trois. Donc, on poursuit avec, dans l'espace ici, nos trois brides. Donc, une, deux, trois, la maille en l'air, la bride immuable, et on a terminé notre rang. Et là, si vous avez bien compté, ça y est, c'est reparti. On est reparti donc pour le rang numéro 4, puisque nous sommes là, maintenant, au rang numéro 7. On va vérifier ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, c'était le rang de bride. Bride par l'avant, 5, 6 et 7. Donc, le rang qui arrive, c'est bien le rang numéro 4, où nous allons devoir faire que des brides. Et bien écoutez, c'est reparti pour un rang de brides. Et après, je vais vous laisser faire, puisque vous reviendrez au 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. D'accord? C'est juste pour vous mettre le pied à l'étrier. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. On fait nos 3 brides à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, et là sur chaque bride que vous rencontrez, vous faites une bride, et dans chaque espace que vous rencontrez, vous faites une bride. D'accord? On fait ça jusqu'au sommet, on se rejoint au sommet. À de suite.
Voilà, nous avons évincé aucune bride, aucun espace. Nous allons maintenant dans le sommet faire nos deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Deux mailles en l'air et deux brides. Et on repart pour faire sur toutes les brides et dans tous les espaces des brides. Et ce jusqu'en bas. En bas, on viendra appréhender ensemble la fin de notre rang. Je vous dis à de suite. Voilà, nous voici à la fin de notre rang où nous allons faire dans l'espace nos trois brides. Donc une, deux, la maille en l'air et la bride supplémentaire. Voilà, alors je vais vous laisser travailler seul puisque maintenant ce n'est que répétition. On part sur le rang qui suit, ce sont les brides prises par l'avant, ensuite la reconstruction donc des deux rangs de granit et on recommence ce rang qui est donc le rang 4, le rang ensuite 5, les prises par l'avant et ainsi de suite. Ce n'est que 4 rangs de répétition. Je me pose la question si je vais pas, ça a été assez rapide hein, c'est refaire et essayer de le faire peut-être en 3, mais comme c'est du coton je sais pas, je verrai bien, je vais avancer un petit peu, puis si j'ai un doute, je suis la spécialiste hein, quand j'ai des doutes, je recommence. J'aime bien, mais peut-être qu'en 3, ça serait bien aussi. Je sais pas, je vais voir. Voilà, dans tous les cas, le motif, c'est celui-ci. Deux rangs de granit, deux rangs de bride, dont un relief. Je vous rejoins eh bien, quand j'ai fini mon châle. Voilà. Et bien voilà, ce joli châle. Je vois plus comme un chèche. Je sais pas, je le vois bien avec une chemise blanche et une veste en jean enroulée autour du cou. Je trouve que ça serait joli après aussi en châle pour celles qui le veulent. Alors effectivement en numéro 3 ça passait bien bien mieux. Vous voyez le motif est très joli avec le relief pour un point qui est tellement 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 simple. Voilà, j'ai rajouté dans cette idée de châle chèche surtout des petits pompons. Alors j'ai pas pris sur la pelote parce que je voulais quelque chose d'un petit peu mélangé en bout de pelote, donc j'ai pris des pelotes que j'avais de chez Oubi, j'ai cherché celles qui pouvaient correspondre le mieux en bout. On était sur une espèce de rosé clair, mais bon, ça pouvait s'accommoder avec du gris, avec du blanc et avec cette espèce de brique masala, une couleur un peu spéciale. Donc ça allait très bien. Alors, les dimensions envergure 150, du cou à la pointe 70. C'est pas les plus grands, mais ça va, il est sympa. Pour un chèche ou pour un petit châle, il est sympa. Et puis, bon, le coup, c'est les couleurs. Et puis, le prix. Hein. On a vu le prix. Le prix, bon, là, je sais pas. Vous savez que c'est fluctuant chez Oubi, mais j'avais même pas payé 8 euros la pelote. Ça vaut largement le coup. Ça fait un super cadeau. Puis, il y a la fête des mères qui arrive. Vraiment, ça fait... on peut faire dans cette période peut-être parfois un petit peu difficile des cadeaux pour pas très cher. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.